Il y a la possibilité proposée par Chantal et d'autres avant de prendre en compte la dimension santé. Et effectivement, je ne sais plus qui l'avait proposé. Léo Michel, juste... il est dans la ligne. Et on parle. Mais j'écoute. C'était peut-être Michel, je ne sais plus qui l'avait proposé. Mais j'écoute. Alors, et donc ça. J'écoute. Moi, tu me connais, non? Alors. Et t'as vu l'heure? Moi, je dois partir. Hein. Je t'amène à plus que l'aide, problème. Alors. Donc, j'ai une voiture, je t'amène. Hein. Donc ça, ça il faut que qu'on décide. Hein. On a la liberté de faire ce qu'on veut. C'est encore une fois, c'est vraiment une des rares chances qu'on a. Bravo, on est libre. Et de notre temps et de notre manière de nous structurer. Moi, je suis pour la paix, tu me connais. Hein. On pense bien, on parle bien et on fait bien. Ah bah oui, alors là, tu donnes le moral aux autres. C'est le slogan, ouais. Toi à toi-même. Ah. Tu crois à toi-même. Ouais, tu passes le bonjour. Je sais pas ce qui s'est passé hier soir, en tout cas. Alors, donc... Je suis resté ici jusqu'à 5h du matin. On a dit non, Christophe. Donc, papa Chantal. Bah, tu t'en fous, toi. Ouais, bah, trop tard. Bonjour, bonjour. C'est ça absolument qu'il faut que je te dise. Donc, la santé, effectivement, c'est important. C'est une question importante en général. Faut trouver la manière de le faire, c'est-à-dire un créneau horaire, les gens qui sont disposés à venir, et puis trouver des sujets. Donc, une idée proposée, là, c'est de le faire à l'intérieur de l'atelier écologie, qui se veut très large et fondamental politiquement. Alors, en tout cas, moi, je suis partisan de cette idée, que l'écologie, c'est vraiment une des grandes dimensions importantes. Je me trompe peut-être, mais voilà. Après, mais en tout cas, il a été proposé que ça soit mis le soir de l'écologie. Alors, il faut qu'on voit si on pourrait être d'accord que ça soit une sous-catégorie d'écologie. Oui. Je ne sais pas du tout. Mais on vient de dire jeudi. L'écologie, je rappelle, hein, c'est une science du milieu, c'est-à-dire de l'endroit où on vit. Ça veut dire la science de la maison, écologie. Et un des concepts de base de l'écologie, c'est la notion d'écosystème, c'est-à-dire de l'endroit où on vit. Et une des idées fondamentales de l'écologie, enfin, je ne suis pas spécialiste, hein, ce que j'en ai compris, vous me corrigez si je dis de bêtises, c'est que si on gère mal les échanges avec son propre écosystème, on meurt. Que ce soit un animal, une plante, un être humain. Si une plante produit des toxines sur le terrain autour d'elle et qu'après elle les bouffe par ses racines, ben elle meurt. Donc les plantes qui sont sélectionnées dans l'histoire de la planète Terre, c'est les plantes qui ont une bonne relation avec leur écosystème, pareil pour les animaux, etc. Et justement, politiquement, il y en a qui pensent qu'on est mal barré parce que notre civilisation est arrivée à un point où elle bombarde notre propre écosystème de choses toxiques qui maintenant sont vraiment en train de nous empoisonner. Donc l'écologie, l'idée de base, c'est ça, et en tant que telle, c'est une science de la vie et de la mort. C'est-à-dire, c'est une science du vivant et de comment le vivant, il peut continuer ou bien, s'il se débrouille mal, mourir. Alors la santé, elle peut rentrer là-dedans, parce que la santé, c'est quand même une dimension du rapport du vivant humain, notamment. Voilà, ça peut être des animaux avec avoir une conversion maladie béton, c'est important. Et voilà, c'est un enjeu important. Quand chaque fois qu'on discute de travail, il est rappelé par Gérard, par exemple, et mais d'autres, qu'un aspect important, c'est que si on n'est pas, si on n'a pas de boulot, on n'a pas accès à des tas de choses et si ça tourne mal, on n'a pas accès à la santé. Bon, pour l'instant, oui. Il y a la CMU. CMU complémentaire. Pour l'instant, il y a la CMU. Donc, une proposition par rapport à ce que vous disiez. Ouais, excuse-moi. Faut pas compter sur la CMU. On est une dizaine. Bon. À part de mon cas. Hein. Ça que ça qui est mon expérience et m'a pris parce qu'il est docteur dans le détaché, des personnes détachées. Nous, c'est quoi hein, après, je n'ai pas. Ça dépend. Bon, ça dépend. De tout ça, on peut discuter dans le sous-atelier. Chacun peut mettre du sien, dans le sens, chacun de nous individuellement, on a une expérience, on met tout sur la table, après on va évaluer. Non, mais bon, il n'y a pas que la CMU, il y a aussi les mutuelles. C'est des aspects différents. Il y a l'aspect avoir accès à des choses qui payent,
il y a l'accès de les différents types de médecine, ouais, allopathie, homéopathie, médecine parallèle. Corps, hein. Tu mets des samples. Moi, je te prends ton modèle. Les anciens avec les plantes, ils soignent tout le monde. Bon. Favorable, hein, tout le monde vivrait un bon coup, il n'y aurait plus une pharmacie d'ouverte. Pour moi, je vais avoir un cancer de tonnerre de Dieu qui va se déclarer. Tu n'auras pas de quoi qu'on se prenne une bouteille et la prochaine fois, je te paye une bouteille. Un des aspects, c'est celui que met en avant Michel, c'est-à-dire le fait de. Peut-être plus. Il y a pas mal des gens ici à Nuit Debout qui sont à fond pour des médecines parallèles et des trucs. Il y a des tas de dimensions différentes. En tout cas, l'idée qu'on se propose entre nous ce soir, si vous êtes d'accord, c'est qu'on essaye, à l'intérieur de la machine qui est Nuit Debout, la bonne machine pour travailler ensemble, vivre ensemble, mais on arrive on essaye d'avoir un créneau temporel. Et ce créneau temporel, ça serait, si on fait ça, ce qui serait le samedi. Ça vous va ou pas? Le samedi, c'est l'atelier différent. Non, je dis une bêtise. Le jeudi, c'est l'atelier écologie qui, pour l'instant, souffre toujours beaucoup. Hein. C'est un atelier qu'on a toujours beaucoup de mal à faire vivre pour des tas de raisons. Mais écologie santé, ça irait très bien. Moi, j'ai un problème, c'est que le jeudi, je finis les comptes rendus pour le Gary pour l'instant et donc je me libère à 10h. Donc j'arrive ici à 10h. Et en plus, Mathieu, maintenant, il veut réactiver. Il a bien raison, mais l'atelier. Pardonne-moi, tu t'occupes du Gary? Moi, je ne m'en occupe pas. Mais j'essaye d'envoyer un compte rendu. Il consulte. D'accord, mais je veux faire un peu comme il s'appelle le horloger, là, celui-là. Et lui, il va un peu partout par Nice. Je vais passer le journal. Patrice. Essayer de faire passer un peu le message là, aussi à travers le journal. Hein. Si tu veux, le Gary, tu es encore à temps. Vendredi, si tu as l'adresse. Demain, il est là. Non, mais demain, il le publie. Mais si tu leur envoies un article cette nuit, demain matin, ils ont encore le temps de processer. À part les chansons, je ne suis pas capable. Okay. Si tu veux discuter avec eux, tu sais que l'atelier, c'est demain, le lundi. Vendredi, maintenant. Non, ils seront là pour le distribuer. Mais l'atelier où ils discutent comment ils le font, c'est le lundi. Donc si jamais ça t'intéresse, tu essayes de venir ici vers 20h, 20h30. Je ne sais pas si c'est possible pour toi. Ouais, là, ils se réunissent. Mais ce n'est pas demain, c'est le lundi. Les dons, après tu vas à Nice, tu connais quelqu'un, voilà, bonjour, je fais partie du mouvement Nuit Debout, oui. Et ça c'est le journal, si vous voulez, ça coûte 65 dîmes, je suis les frais. Oui. Ça tu veux vendre des journaux choses. Non, pas les vendre, transmettre l'information des Nuit Debout. Alors, ça vous dit qu'on essaye jeudi prochain de faire. Pardonne-moi, Michael. Ça vous dit qu'on essaye de faire ça jeudi prochain? Moi, c'est clair que oui. Là, je ne l'ai pas marqué, donc je risque d'oublier. Je vais essayer de m'en souvenir et essayer de. Si vous voulez bien me le répéter dans le jour qui vient. Chantal, si demain tu me le rappelles, je le marque. Demain ou quand tu veux. Quand tu es là. Si je suis un temps, c'est pas bien. Elle était à peu près bien. Dans les jours qui viennent, avant jeudi, si tu me le rappelles, je le marque. Et après, et bientôt, celles et ceux d'entre nous qui ont Internet, s'ils veulent regarder un peu le forum de Roman, à mon avis, c'est un bel outil. Pas mal. Après, être présent ici, j'ai regardé. C'est parfait, c'est l'interaction directe. Mais ça permet de. Bon. Si jeudi. Pour la santé, moi j'aimerais présenter un dossier acouphène. Puisque en plus, si je t'en ai un petit peu. Ah, acouphène. Je connais ça. T'as les oreilles qui sifflent. En fait, c'est la connexion. Ah, parce qu'il y a une opérée, connexion. Donc, le sifflet est un peu confondu là. ça peut se maîtriser avec les vibrations, avec la musique. Et bien justement, bon, en général, on dit que les acouphènes, c'est le nerf. Avec tout mon respect, Christophe, depuis que j'ai enlevé des kilos, mon acouphène, ça va mieux. Quand j'étais jeune. Depuis que tu parles, c'est ça que je dis, je vais gagner, mais descendre. Ça avec ces personnes. C'est des fréquences, mais en fait, c'est quand tu es réceptif, c'est le disque mou qui reçoit. Oui, regarde, si tu regardes bien, non mais je dis pas des conneries, me prenez pas pour un con. Mais non, mais nous, on t'aime bien, pourquoi tu penses qu'on te prend pour un con? Bon. Le disque mou. Les yeux, ils font caca. Les oreilles font caca, le dit. Nez il fait caca, la bouche fait caca, le zob il fait caca, c'est les des pieds vibrations. Font caca. La nicotine, c'est l'osmose moléculaire. La nicotine c'est mauvais pour les acouphènes. Ouais, c'est ça que tu savais. La nicotine c'est mauvais pour les acouphènes. Je pourrais pas. L'alcool c'est mauvais pour les acouphènes. Parce que ça altère les. L'acouphène c'est la connexion. Spatio-temporel. En fait, c'est la thyroïde. Alors pourquoi, avec leur truc nucléaire, ils enlèvent tous les thyroïdes? Ça, c'est pour t'enlever le capteur de pas. Point moraux.
comme une Twingo. Il ne faut pas faire confiance au docteur. Mais je fais, je vais rien confiance à rien, moi. Ça fait 6 mois que je ne vois plus, je me porte mieux. On m'opère de rien, ça fait 8 ans que je n'ai pas pris un cacheton. Moi, mon traitement, c'est un peu de pinard, un peu de rosé, un peu de bière. Ah, toi, vous pas. Merde. Pour moi, Michel, le slogan des Nuits Debout, c'est on pense bien, on parle bien, on fait bien. Tu peux te dire bonjour ? Comment tu veux ? Moi, j'écoute ce que tu dis, c'est tout. Ouais, non, non, mais. Le reste. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'en ai rien à foutre. Alors, là, combien ? Alors, t'as amené la bouteille, le champagne ? Oui, en plus, toi, tu m'as demandé, tu veux pas aller chercher une bouteille ? On pense bien, non, non, on parle bien, on fait bien, c'est tout. Après, voilà, je dis bonjour, il m'a envoyé comme ça, c'est bon, j'accepte. Oui, alors là, Chantal. Non, mais ça fait. On pense bien, on parle bien, et on essaye de faire bien. Mon ami, c'est la vie, c'est l'amour, et la mort aussi. On pense bien, on parle bien. L'amour au lit avec une jolie femme à qui nous enflamme. Oui, mais Chantal, elle a pas dit comme ça.